Tu connais cet instrument, tu dois connaître normalement. C'est le premier truc que tu es censé avoir dans la poche. Mais depuis le déconfinement, je suis quand même surpris de voir le nombre de pitchs qu'il y a à ramasser. C'est incroyable. Ça veut dire que soit tu ne sais pas ce que c'est, soit tu ne sais pas t'en servir. Pourtant, relever son pitch, c'est un jeu d'enfant. Et pour preuve, c'est même pas moi qui vais te l'expliquer, c'est Léonie. Allez Léo, montre-leur comment on relève le pitch. Tu m'as dit que tu m'expliquais ce. Ah oui, alors viens. Je vais t'expliquer le relève pitch. Ce que tu as dans la main, ça s'appelle un relève pitch. Donc en fait, quand la balle elle arrive sur le green de très loin, et elle fait un impact. Elle fait un trou comme ça. Tu vois une bosse. Tu la vois la bosse? Et le relève pitch, en fait, ça permet de réparer le trou. Donc pour réparer le trou, tu vois, regarde, tu le prends comme ça, tu le plantes et hop, tu le fermes. Tu plantes, tu fermes le trou. Donc en fait, quand tu es un bon golfeur, la première chose qu'il faut avoir dans sa poche, c'est un relève pitch. Il faut réparer les trous. Donc on Attends, va en... je Bonjour. vais essayer. Mais dis donc, c'est Rina qui va être content. C'est que Rina, c'est le roi du pitch et du relève pitch. Il ouvre même ses canettes avec un pitch. Voilà. Et toi, tu viens de réparer ton premier pitch, Léonie. Tu sais que tous les golfeurs devraient suivre ton exemple, hein? Regardez mon exemple. Alors, regarde, pour pas tout abîmer, faut planter et tu fermes. Plante Ok, et tu le fermes. ferme. Waouh! Et t'as vu, regarde, il y avait un trou, on le voit plus. Oh, il y en a un Super! Et nouveau. ben voilà, maintenant Léonie, tu sais que tu connais l'essentiel du golf, c'est que tu sais relever tes pitches, toi, tu sais les relever. Que tous les golfeurs de la planète prennent exemple sur toi et relèvent les pitches. Maintenant, vous avez toujours un relève pitch dans la poche. Dans la Pour poche. relever vos Oh, il pitches. y en a un là. Attends, je fais celui-là. Et voilà, je te l'ai dit, un jeu d'enfant. Et ne me dis pas que tu les vois pas sur un green, généralement il y en a 3, 4, 5 qui traînent. Si c'est pas le tien que tu relèves, bah t'en relèves un autre. Et si t'en trouves un par maladresse, tu t'entraînes. Et je veux des greens nickel, sans pitch. Parce que tu auras toujours un relève pitch dans la poche. Allez, à bientôt sur la chaîne, je vous emmène golfer. Bye!